Dans notre laboratoire, à l'Institut Imagine, j'essaie de comprendre comment le cœur se développe et comment la forme de cet organe est importante pour sa fonction. Mais d'ailleurs, à ton avis, il a quelle forme ton cœur? Est-ce que tu l'imagines comme ça? En réalité, ton cœur est un muscle creux de la taille de ton poing, et on peut le comparer à un système de deux pompes pour ton sang. Sa partie droite va envoyer le sang qui vient de tes organes et qui est pauvre en oxygène à tes poumons. Là-bas, le sang se gorge en oxygène, puis les poumons le renvoient dans le cœur gauche, qui va propulser ce sang dans tout ton corps, et ainsi de suite, encore, et encore, et encore. Pour accomplir cette fonction de double pompe, le cœur a donc une forme très particulière, et il faut que ces deux parties soient parfaitement isolées l'une de l'autre. Au laboratoire, on se demande donc comment le cœur se développe et comment il acquiert sa forme. Tout commence avant ta naissance, quand tu es encore dans le ventre de ta maman, avec une étape qu'on appelle le looping. On peut traduire le mot looping par courbure, et c'est exactement ce qui se passe lorsque le cœur se forme. Il passe de la forme d'un tube tout droit à une forme courbée comme une hélice. D'ailleurs, quand le looping se passe mal, cela entraîne des malformations cardiaques chez le bébé qui doit rapidement être pris en charge à l'hôpital pour être opéré, comme c'est le cas pour 8000 bébés chaque année en France. Alors, je mène l'enquête. Et nos recherches nous aideront à mieux comprendre la formation du cœur et les malformations qui peuvent survenir lors du développement du bébé.